sandwich ce matin. Et encore du café, les mecs? Juste une tasse. Oh non. Oh non, mais ouais. Moi, j'en prendrais bien une, hein. Ah, Jackie, vous êtes là, déjà. Merci. Oui. Combien de ça dure, déjà, le match, là? Le match durera 80 minutes, alors que j'entends du raouf, du bordel. Il paraît, allô, Toulouse, me dit-on qu'il y a eu des sanctions cette nuit, allô? Oui, il paraît qu'il y a eu des... Oui, on est en direct, oui, d'accord, merci. Oh. Ici, en direct de l'Afrique du Sud, nous le sommes, nous y sommes, vous y êtes. Et oui, avec TF1, avec David, Jackie et moi-même, Jacques, pendant 80 minutes, c'est ça? Un match intense de quart de finale de Coupe du Monde de rugby. Avec un jeune présentateur là qui débute, on lui souhaite bonne chance Jacques. Hein, ouais, on lui souhaite bonne chance, il est exactement à l'heure, merci. Et on va passer tout de suite la parole à Toulouse. Allez, récupération irlandaise, le ballon sera irlandais, ils vont pouvoir se dégager dans leurs 22 mètres, voilà qui est fait. Allez, c'est parti. Petitement. De vous, oui, mettre des musiques au niveau du match. Excuse, d'habitude, nous sommes un peu plus groove. Pour ceux qui nous suivent depuis le moment, putain, déjà la mi-temps. C'est, ouais, c'est vrai qu'on gagne 5 minutes quand même sur le truc. Donc, mais il est raccourci, ça, en ce moment. Vous avez de la chance, on va vous enlever ce qu'on entend actuellement. Oui, merci, vous avez vraiment de la chance, c'est vrai ça. Vous êtes sportaise et vous voyez le prochain album de l'équipe de France. Un album un petit peu érotique, devrions-nous dire, un petit peu chaud comme ça. Ça va plaire aux dames, ça va plaire aux. Aux uns et aux autres. Oui, allô? Qu'est-ce qui se passe? Oui, alors il montre son maillot, notre ami Century, mais c'est surtout son coup de pied qu'il faudra bien regarder. Il a un rôle important dans cette équipe de France, Century, qui fête son centenaire l'année prochaine. Attention, s'il vous plaît, pas de problème, s'il vous plaît, messieurs. S'il vous plaît! Oh! David! Téléphone qui sonne déjà, ça fait chier. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, et il remue la tête. Et oui, donc oui. Tu sais où on est là Jacques, à Durban. On est à Durban mon gars. Voilà, nous sommes exactement en bas de l'Afrique du Sud, qui est déjà assez basse, surtout les blancs. C'est vrai qu'ici les blancs, comme nous l'indique Patrick, sont plutôt pour l'apartheid. Nous aurons demain l'occasion d'en reparler. Il y aura encore un autre quart de finale et entre-temps l'Afrique du Sud sera peut-être devenue le futur adversaire de l'équipe de France. C'est le quart de finale, jouons bien et demain la demi-finale contre les Africains. Ah, Jackie, vous allez nous sortir le remix bientôt, bonjour. Bonjour à tous, bonjour, je suis pas parmi le trio qu'il y a là, essayez de me trouver, je suis sur cette image, mais je ne suis pas un des trois personnages. Allô, Jacques, donc, première information importante qu'il y aura au cours de cette transmission, une place à gagner pour Burning Spear au bikini le 13 juin. C'est le 13 juin, c'est quand ça? C'est mardi. C'est-à-dire le même soir que Natural Mystic Tour. Oui, alors normalement il était prévu que nous fassions un pronostic de score. Malheureusement, il y a eu du braquage. Oui, il y a eu du braquage, effectivement, la nuit dernière. Mais c'est comme ça, ce sont les... du jeu. Anti-jeu, coup franc et même pénalty donc contre la braque. Toulouse, dans quelques instants, ce sera à vous dans quelques instants. Maintenant. Good Sputas. Get Sportas. Oui, la publicité est en direct en même temps. Là, on voit la prochaine pub pour les municipales de Lyon. Oui, alors que là, c'est l'arbitre qui se fait agresser. Ah oui, monsieur l'arbitre. Ça, c'est madame Barr. Voilà. Ça se passe bien pour nous et la composition des équipes, donc on va quand même les donner, les deux compositions, c'est important qu'il y en ait deux. Oui. D'ailleurs, bonne chance à vous pour tout le week-end sans bac. Oui. Century en 15, NTM, même si c'est là, Javel, tout va bien en dernière ligne, au fond à gauche, Deal, Hubert, Cessimo, Benaki, McCavan, troisième ligne, deuxième ligne, Mammouth et Merde, et première ligne, Calif, Speedy, Armoiry, vous l'aurez compris, c'est les Français. Côté irlandais, l'arrière, c'est Londonderry,
La ligne arrière, Oti Mintz, O'Hara, JFK, McGowan. La charnière, Jack et Elwood. La troisième ligne, nous aurons Cookies, Dubien et Mabride. En seconde ligne, Trèfle et Venez en Irlande. Et la première ligne, irlandaise, Mary Poppins, Matt Gillian et Pyrénéen. Les arbitres, Jacques, Monsieur Maire et ses adjoints. Oui, Monsieur Maire et ses adjoints, tout le week-end, avec tous ces quarts de finale en Afrique du Sud. Ils vont avoir leur importance, leur poids du match. Et puis, nous avons aussi un petit direct avec Roland Garros, si on peut avoir notre reporter. Allô ? Oui ? Ah, le match a commencé ? Oui, 15-40. Combien, qui est là ? Qui est là ? Allô ? Eh bien, nous avons Steffi Graf contre Sanchez. Et le match a commencé. Et la pub aussi, d'ailleurs. Bon, et qui êtes-vous, là ? Parce que je ne sais pas qui je suis. C'est Jackie ? Ah, mais c'est Jackie, bien sûr. Jacques, enfin, mais tu déconnes ou quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu as encore ? Jackie, vous n'êtes pas censé être à la fois en Afrique du Sud, à la fois à Roland-Garros. Oui, mais j'ai d'excellentes jumelles. Et depuis le stade de Durban, j'aperçois Roland-Garros là-bas, très loin, et je distingue franchement les balles. Faute ! Merci, Jackie. On vous retrouve tout à l'heure, alors. Merci. Merci, alors qu'un homme se rase maintenant, là. Oui, espérons que le match ne soit pas à ce niveau de l'image que vous voyez actuellement. Souhaitons-le. Souhaitons-le, parce que en tout cas, nous, on vous balancera le vrai commentaire de TF1 si ce match est minable. Mais non, je ne pense pas, car très franchement, Pierre Barbizier, là, vous le voyez, et confirme qu'effectivement, il attend un match intégral et flexible. N'importe quoi. Toujours donc sur les 94 de la bande FM. Nous en remercions d'ailleurs, nous en profitons pour remercier TF1 qui retransmet une fois de plus les programmes de la radio. Merci messieurs. Donc autre quart de finale, c'est demain, Australie-Angleterre. Oui. La revanche de la finale 91 de la Coupe du Monde, la deuxième du nom, puisque nous sommes dans la troisième du nom. J'ai dit oui, la troisième du nom. Et donc demain, nous serons à la même heure, dans les mêmes conditions. Tout à fait, même encore plus déconcentré et décontracté. On sera tranquillement en Australie, Angleterre, à 13h. Oui, Jackie. Il me semble que plus nous avançons dans le tournoi et plus les publicités sont longues. Effectivement, à vous, Toulouse. Faute ! Merci, Toulouse. S'excuse, là. Alors, vous n'oubliez pas, nous sommes en stéréo, malgré le fait qu'ici, à Durban et dans toute l'Afrique du Sud, il n'y a que la monophonie ici, la monoconnerie blanche, celle qui frappe et sévit depuis plusieurs années, voire même depuis, voilà, poulu. Oh. Depuis le début. C'est fini pour la publicité, nous allons voir cette femme. Est-ce qu'elle joue, Jacques, cette femme ? Normalement, non, elle ne rentre pas à la mi-temps. Je ne crois pas, non. Non. A noter quand même les remplaçants de l'équipe d'Irlande, remplaçants musicaux, puisque nous aurons Sinéad O'Connor, c'est Bono. Bono qui pourrait rentrer. Ouais, ça serait une bonne news, tandis que The Edge est malade. Donc là, nous apercevons les vestiaires du match. Oui, on peut donc préciser que vous êtes avec votre copine, mais n'en profitez pas, hein, le match va commencer là. Hein. Vous avez encore quelques instants quand même. Oui, d'accord, enfin pas trop vite, parce que quand même une femme, c'est sensible. Dans quelques instants, nos amis du public vont arriver parce que vous le savez, nous sommes seuls en début de match. Il faut attendre la minute précise, pile poil, comme dirait l'autre, pour que se passe ce match avec son public. Notre public, devrions-nous dire, parce que c'est vrai, nous avons un public qui nous suit, qui nous essuie aussi parfois. Voici le tiercé, donc Ish, Blanc et Tillet dans l'ordre. Ouais. Si vous l'avez joué, il rapportera gros, car Tillet est le tocard normalement et il ne devrait pas être dans ce tiercé de tête. Oui, alors vous savez, la dernière fois nous étions posé la question, nous avions vu une espèce de mascotte, en fait c'était la mascotte de l'équipe de France. Celle-ci a été arrêtée dans un réseau de trafic de cannabis entre Paris-Montpellier, les pompiers, etc. Et effectivement, Cock'n'Roll, je crois que c'est Cock'n'Roll, effectivement. Le nom de l'association. Ouais, non, de la mascotte, Cock'n'Roll, qui a été donc arrêtée. Alors que là, nous voyons arriver des gens sur le terrain, je ne sais pas ce qu'ils viennent y faire. Il faudrait quand même laisser le terrain libre, messieurs, là, parce que, oh là là, ils sortent de prison ou quoi, dis donc, regarde-moi ça. Et c'est gay, hein, les stades en Afrique du Sud. Je ne sais pas, mais il y en a déjà qui se serrent la ceinture. C'est dire si ce match sera sûrement bon et long. Souhaitons-le, Jackie, effectivement. Alors qu'il y a une batucada maintenant dans les tribunes. Ouais, mais une batucada à la française, vous savez, travestie. C'est que les Français ont du goût.
et tous les égouts sont dans la nature. Alors que là, Jean-Louis, le plan sur les trois, là, on s'en fout un peu, je veux dire. Si t'as autre chose, tu l'envoies là, merci, parce que là... Merci, Jean-Louis Toulouse. Alors, quand t'auras fini de chanter tes conneries, tu feras le jingle. Sportaz, une émission en public. Mais nouilles qu'elle a et l'équipe de l'Irlande Outsiders pendant tout ce match, cette partie. Ils ont déjà créé une petite surprise en égalisant contre le légal et le goût ensuite de pouvoir passer un tour de plus et d'être en quart de finale de cette Coupe du Monde. C'est un bon résultat pour cette équipe Irish. Le quart de finale. Ah ben dites donc, j'ai trouvé ça ce matin sous la douche. Pensez-vous, je vais vous le ressortir au fur et à mesure du match. Ça, c'est certain. Dubbing, ils disent dubbing. Oh yeah. Alors que là, nous avons les remplaçants français dans la tribune, tous bien assis, bien à côté les uns des autres. Public, reviens, chéri. Public, chéri, reviens. Les Irlandais qui rentrent sur le terrain, Jacques. Allez. Irish Coffee. Ah oui, spécial dédicace à Irish, effectivement. C'est jamais dédicace. L'équipe de France qui rentre, il court après qui là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi sortir si vite du vestiaire, Jacques? Eh bien, parce qu'il y a un kiné derrière qui voulait encore terminer les joueurs. Vous savez que les kinés, quand même, dans le rugby, c'est quand même des pièces maîtresses, sans jeu de mots à la fin. Nous allons surveiller tout ça parce qu'on s'approche des hymnes, me semble-t-il, Jacques. Attention, pendant une minute, nous allons faire un commentaire normal. Ça, c'était le joueur qui joue à Kingston, en Jamaïque. Il a été suspendu 7 ans pour utilisation de substances illicites. Et illicites, oui, c'était le mot. Il y en a qui disent illicites ici, mais c'est pas mal. Et nous nous approchons doucement maintenant de la fin de cette présentation pour rentrer dans le vif du sujet, avec les hymnes. Schmutz. Oui, les hymnes avec le 3e régiment des parachutistes blancs-casseurs d'Afrique du Sud. On attend le guitariste qui est au vestiaire, qui signe quelques autographes et qui va certainement commencer maintenant son solo. Oui. On écoute. Il y a 75 000 supporters français qui attendent ce moment intéressant de l'hymne. Et ensuite ils partent et ils laissent la place à d'autres. Arrivé contre nous, une équipe réunie, prête à nous en faire une pavée. Prête à nous pavé. Entendez-vous dans vos tunnels mugir ces commentateurs-là qui viennent jusque dans vos baffles égayer vos fils et vos campagnes. Voir en grand citoyen faire vivre le ballon. Allez, bonne et marquons. Super avec Cigogne, on l'a vu, le remplaçant du stade Toul, Ouzin. Et nous allons maintenant, bien sûr, parce que nous sommes grands sur campus, écouter quand même l'hymne irlandais. Venez en Irlande. Vous êtes venus pour les Irlandais. Vous êtes venus pour le café. Pyrénéen, McGillian, Mary Poppins, venez en Irlande, Trèfle, Mabreed, Dubien, Cookies, Elwood, Jack, McGowan, JFK, O'Hara, et Oti Mins sur la gauche, et pour finir ce sera Londonderry. Ah, la mèche rebelle. Le teint frais, c'est l'air d'Irlande. L'Irlandais du Scud. On aperçoit Philippe Clerc. Ok, tout un
peuple derrière, toute une nation derrière, toute une ville. Et pas mal d'auditeurs sur Radio Campus. 94 FM. À vous Toulouse. Alors, c'est Jackie. Jackie. Oui. Le score sans chaise. Eh bien, le score sans chaise pour l'instant. Voilà, elle a dit 15-2-0. Merci, Jockey. Super. On retrouvera Roland Garros et la finale simple dame tout à l'heure. Oui, dans les vestiaires. Donc, je suis en train d'écouter Patrick Antier. Avec Patrick Antier, les débutants à TF1. Qui peut-être nous remplacera l'année prochaine, ça n'est pas sûr. Nous sommes en négociation avec ces cons. Jacques, ne dis pas de choses comme ça, nous sommes écoutés. Ça blesse. Le coup d'envoi dans quelques instants. Ton score, Jacques, ton prévisionnel pour 20, l'avenir. 28-12 pour les Français, d'ailleurs, il y a des témoignages, je crois, déjà. Mais tu ne gagneras pas la place pour Burning Spear. En conséquence, simplement pour dire que ce match contre sera un autre match que ce qu'on a pu vivre précédemment. Alors ça, quand même, voilà, Bébert, il l'a exprimé tout ce que nous attendons. Effectivement, c'est effectivement un autre match. Another match. Another game, please. Ah, another big game, four. Les remplaçants donc qui sont cités, oui, c'est un long film, un long métrage, on cite tout le monde. Caméraman et à la régie Jean-Louis. Au sandwich Simone. Et à l'activité sexuelle Jacques. Oui, je m'appelle Jacques. Je fais du commentaire sportif depuis 25 ans. Oui. Et j'y ai passé des moments forts, oh, difficiles, intenses, géniaux, dans tous les pays du monde, difficile, sur toutes les ondes. Oh. Et pourtant, seul Sportaz, oui, c'est l'orgasme. Ah d'accord, oh, bah, putain, pour en arriver là, dis donc, ça fait toucher les couilles à l'arbitre. Hein. Nous allons jouer, oui, la première minute. L'arbitre est content, il est là, il fait beau, il fait chaud. Il n'y a pas de noir sur le terrain, s'il y a quand même NTM, on attend beaucoup de Ayam et NTM. Beaucoup. Et c'est parti, Jacques. Oh, les Irlandais qui ont l'air de pouvoir tout de suite enchaîner, voilà. Oh, il partait tout seul, il était beau, magnifique, très très racé, je trouve. Mais il a été arrêté par l'arbitre, qui est un ancien de la police, l'arbitre. Qui a, oui, au cours de sa carrière, quand même, réussi plus de 4350 interpellations. Dont 20 plaquages. Dont celui de sa femme. Mêlée pour les Irlandais. Première mêlée irlandaise, elle est importante, voire impotente côté français. Et que dit l'arbitre? Il demande à tout le monde de se replacer, messieurs du calme. Il y en a pour 80 minutes, il y a Radio Campus qui vous écoute, soyez corrects. Oui, alors qu'on le voit, les Irlandais sont plus illicites. Non, moins illicites que les Français, pardon, avec 831 kilos chopés l'année dernière. C'est fait, c'est parti, côté Irish. Oh, la mauvaise passe. Voilà, voilà. Là, à mon avis, c'était pour Coke. Et c'est Century qui repart seul, mais il est pris le bougre. Ouais, bougre. Il sort en touche, même accompagné par un collègue à lui, parce qu'ils se sont dit on est mis en touche. Mais quand même, finalement. Jacques, quand même, il faut remarquer que sur ces, oui, 2 minutes, hein, il y a eu déjà 3 passes. Hein, quand même. Oui, enfin. Ce qui est significatif, tiens, ta femme. Oui. Elle est en Afrique du Sud aussi, donc. J'étais pas au courant, là, de ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est, cette histoire? Oui, elle est venue avec moi, oui. Alors. Et Jackie, vous êtes censé être à Roland Garros. Oui, hein, je sais, attention, je me tourne. Attendez, déconnez pas. Parce que quand même, l'équipe de France m'intéresse plus que Sanchez. On écoute. Hein. Graf maintenant, Graf le long de la ligne. Graf qui déborde. Oh, faute! 15-0, à vous. Encore, c'est bloqué le score. T'es bloqué, Jackie. Hein. Et c'est une pénalité, la première pour l'équipe d'Irlande. Après tout, c'est vrai. Le stade est plein. Oui, mais nous pas tout à fait encore. Mais ça va venir. Ça devrait pas tarder. Merci de rapprocher ce plan, Jean-Louis. Qu'est-ce que c'est que ce caméraman là qui branle rien en 8 là-haut, la caméra 8. Oh, ça va venir. Non mais Jean-Louis, qu'est-ce que tu fous le 8? Oh, laisse-le là, il a bu d'avance. Il est pas encore dans l'angle le mec. Non mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Assurez les mecs un peu là. Oui, alors Jean-Louis, qu'est-ce que tu merdes? On voit rien là. Allez, caméra 8. Ah, ça c'est la 3. Ah, il est pas vrai l'autre con, hein. Mais non, ça c'est le ralenti. Il était hors jeu, le bougre de salopard, ah, ça m'étonnerait, hein. Mais non, Jackie, puisque la pénalité est pour les Irlandais, vous êtes tous complètement cons dans cette formation. Ils
touche le ballon. Le cuir, d'ailleurs, ça n'en est pas, il faut le savoir. Ce n'est pas du cuir, ce ballon, c'est du latex pour éviter toute propagation du virus du rugby. Vous le savez, un virus qui a du mal d'ailleurs en France. Par contre, dans ces pays où le rugby est bien manié, bien manipulé, bien souhaité en hémisphère sud, c'est vrai qu'il y a une véritable religion. C'est bien parti et c'est fait, c'est bien fait. 3-0 pour l'équipe du Ok. Ah, des applaudissements mérités pour toute cette équipe d'Irlande qui vraiment on ne s'attendait pas à ce que ce soit là. Hein. Non, mais nous non plus on ne devait pas y être. Ah bon ? 3-0, ça y est, l'équipe de France rengage, nous sommes menés, maman, je viens manger demain. Oui, mais l'équipe de France n'est jamais aussi bonne que quand elle est menée. Menée, et sortie du ballon par les Français. On m'envoie quelque chose dans la gueule, s'il vous plaît, messieurs. Oh non, un blanc. Un Boers. Ah, foiré de Boers. Mêlée dire à l'arbitre, est-ce qu'on pourrait monter juste un petit peu le public? Il est là. On en a deux même. Oui, Sportaz, la seule émission qui possède deux publics. Public de rechange, on le sait, souvent le public s'arrête au milieu d'ailleurs là. Il n'y a pas que le public qui est de rechange. Oui, mesdames, vous avez de la chance aujourd'hui. C'est un match assez chaud. Il était beau, hein. Bout du... Allô ? Oui, Jacky. Eh bien, je voudrais vous dire que la mêlée française enfonce sa vis-à-vis irlandaise et que ça va être un drop de deal. Non, il ouvre, ça y est, c'est bon. Il ouvert sur le droit, un petit coup de pied cacotique. En récupération, c'est bien fait par London Derry, ça. Ouais, c'est la touche à vous, Toulouse. Écoutez Radio Campus à New York. Vous pouvez nous recevoir sur la boîte aux lettres. Eh oui, il suffit d'envoyer les cassettes. Oui, 56 Rue du Thor pour l'adresse de Toulouse. N'oubliez pas, c'est ici. Il y en a qui la connaissent bien. Attention, encore une action française avec Sintour. Attention, on est encore sur l'aile droite dans les 28 mètres 50 irlandais, ce qui est quand même assez intéressant pour marquer des points. Famous. Et c'est une pénalité pour l'équipe de France. Radio Campus, Famous Groove. Alors qu'on m'avait coupé le retour, je ne sais pas pourquoi, il y a eu un attentat dans ma cabine, Jacques. Il y a de plus en plus d'attentats, vous savez qu'il y a les Jeux Olympiques d'attentat en 98. Et oui. Et qu'on est en train de se préparer fermement. Ouais, de tous les côtés, dans tous les bords de la planète, les terroristes se préparent donc aux Jeux Olympiques d'Atlanta. Spéciale dédicace à Will Kinson. Rugbyman. C'est une merveille que cette technologie française avec Javel, très pointue dans ce tir au but. Très pointue, donc c'est vrai, la technologie française. Effectivement, c'est un excellent humanoïde, parfaitement réalisé. On le distingue à peine des autres joueurs français. Et pourtant, regardez bien, on l'écoute. Oh, c'est bien fait ça. Oui. Oh, attention à cette pénalité. Faute. On revient là, c'est mon Jean-Louis Allier. Bon des Français. Ah oui, free free. Free official, 3-2. Free man, free Bico man, spécial dédicace to the black man de toute la terre France. À vous, yo. Oh, qui c'est ça, yo? Qui vous êtes? Belle prise de mammouth. Allô. Ah non, c'est merde. Merde qui deal. Enchaîne. Deal avec... c'est M6, c'est là qui est pris, mais qui lâche bien le CD. Oui, deal qui s'en va. Retente sur le petit côté. Ah non, il y a une image X encore. C'est NTM qui a lâché cette balle. Il est là, oui, Jean-Louis, tu l'as bien trouvé, là, c'est bien. NTM, le plus intéressant des joueurs français, d'ailleurs, très intéressé au niveau hémisphère sud. Vous savez qu'il y a déjà des clubs qui ont... a réclamé sa présence l'année prochaine. Ah bon ? Ah oui. Le FC Blagnac. Oui. Sortie irlandaise, que dit l'arbitre. Le stade berbère aussi d'Alger. Il y a du monde qui a envie de voir jouer NTM sous d'autres cieux. Mon cieux. À vous. Rien. L'irlandaise, c'est elle pas mal. Bien, elle est bien faite, elle va sortir cette balle côté irlandais. Ouh, qui c'est qui nous le fait ? C'est Elwood, grande chandelle, mis de la loupe. Ah, Chandler, récupération française, c'est bien ça. Bien, MC, bien en main. C'est Century.
Century qui avait fait une bonne prise de main et la balle est encore française, Javel, ouais. Ah, les Français semblent vouloir jouer, enfin, ils sont présents. Ah non, c'était Hubert, pardon, qui est demi-mêlée, Deal. On se parle, on se regarde, on se cherche de la main, de la menotte, on se touche, on s'aime. Quel feu dans la cabine, vous êtes complètement malade. Allez nous chercher des gonzesses plutôt là. Je vais dire un énergumène là qui a des problèmes. Superbe dentition de ce numéro 4 qui n'est autre que trèfle. Trèfle et 4, c'est un petit peu logique. Belle sortie irlandaise. Oui, qu'une combinaison qui n'en était pas une, mais qui pourtant a transpercé la défense française et l'équipe irlandaise. Encore le ballon en touche, ouais. Famous. Hose. All right. Vous savez qu'il faut aller voter ce demain. Putain, mais demain, vous irez. Personne, là, déshabille-toi vite, hein, pensez. Allez. Messieurs, s'il vous plaît, allez vous faire votre coït ailleurs, s'il vous plaît. Hein. Oui, allez voter demain, il paraît qu'il faut y aller, que ça peut, c'est jouable. Allez, votez bien, votez bien, bien comme il faut, quoi. Hein. Dans l'urne, bien dans l'urne, prenez le papier, vous présentez votre carte d'identité, vous mettez un coup de boule et vous mettez le truc dedans. Ah, l'arbitre a déconné, l'arbitre, là, il s'était placé dans la ligne d'attaque française et bien sûr, interférence. Et donc, mêlée, attention l'antenne, messieurs. Attention l'antenne, messieurs. Et mêlée. On ne sait pas si le prochain match sera aussi bon que celui-ci, parce que nous ne savons pas si celui-ci est déjà aussi bon que celui de demain. Alors moi je n'y suis plus, parce que là on est en train de me faire les poches. Nous n'y sommes plus, par contre le jeu est ouvert côté irlandais, voilà. Ils jouent bien les Irlandais. Oh, quel joli coup de pied. Petit coup de pied tactique, mais donc il va sortir à sortie normale, renvoi 22, comme on dit chez les policiers. Toulouse, super. Non, je n'ai plus de clope, monsieur. Retransmission exclusive mondiale sur les 94 de la bande FM. 94. Macani. Ah oui, France-Irlande 3-3, un score tout somme toute normal, naturel. Deal qui n'aime pas très bien renvoyer la balle, mais que dit l'arbitre, rien. C'était juste vraiment, il a joué les lignes, comme à Roland-Garros d'ailleurs. Où Jackie nous appelle, je crois qu'il se passe des choses à Roland-Garros ou à Aranxa Sanchez, vraiment là, ne sait plus quoi faire. Ah non, oui, et puis j'ai une petite information en ce qui concerne Deal et les municipales. Il se présente sur une liste blagnacaise, donc Deal, un joueur de rugby qui va faire de la politique, comme Demeco à Marseille. C'est un peu fou maintenant ce qui se passe. Alors Aranxa Sanchez est parti parce qu'elle vient d'avoir une perte. Il y a un incident, hein, c'est ça. Oui, il y a 15 flancs. Et pénalité pour les Irlandais. Oh là 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 là, je ne sais plus où je donne de la tête, moi. C'est l'essentiel, d'habitude, vous ne savez pas où donner de la queue. Merci, Jocky. Et oui, encore une pénalité pour ces Irlandais qui sont présents dans le combat physique de devant. Madame, poussez-vous, parce que là, je ne vois plus rien. Non, sans déconner, et puis bon, sortez-vous, là, sortez-vous. Oh, rhabillez-vous. Oh. J'ai donné. Pénalité, va-t-il la tenter? Non, il va chercher la touche. Ouais. Oh non, on la joue comme ça, fine. Oui, petit coup de pied juste par-dessus avec peut-être un coureur speed côté irlandais avec Mary Poppins. Et c'est une touche pour les Irlandais. C'est pas idiot, hein, comme petite frappe. On aperçoit les futurs, la Ferras qui est là. Petite frappe toi-même. Hein. Elle balade des joues. Touche. Attention, touche irlandaise. Et là, tu sais, Jacques, c'est l'élimination directe, il ne faut pas déconner quand même. C'est l'élimination, bah oui, ça c'est direct. Par contre, les cheveux ont repoussé. Oui, côté français, c'est vrai. Eh oui, on ne s'est pas rasé. C'est vrai que le jeu était lui-même rasant, donc bon, ne remontons pas là-dessus, ça fait des choses qui font mal. Interception, France. McCabean qui sort la balle, non, oui. C'est ha. Et on dégage côté Franck, on se fout dans la merde. Non, on essaie quand même de changer de côté, c'est bien, parce qu'il n'y a personne de ce côté-ci. Oh, en tout cas, insuffisamment. Schalmer. C'est bien fait, ça, l'entend derrière. Mais non, il y aura quelqu'un là pour récupérer, c'est pas vrai, il y en a en avant, monsieur l'arbitre. Centurie qui est là, qui est bousculé, touche. Ouais. Yeah. Vous lose. Vous êtes sur Radio Campus. À Hong Kong, vous pouvez nous recevoir chez Lee.
Bonjour donc à tous les habitants de Hong Kong qui nous rejoignent sur les 94 de la bande FM. Et nous sommes retransmis aussi au Tonga. Vous savez, dans le Tonga, il y a de l'eau. Oui, il y a de l'eau. Ah, les Irlandais, oui. Infiltration. Good infiltration. Oh, c'est du bien, oui, qui passe à Hewood, O'Hara. Il passe, il est passé le Hewood. Eh oui, mais on plaque côté français. Londonderry qui... Non, fou, il branle rien, Londonderry, c'est pas bien ça. Jack essaie de ressortir cette balle de mid-mêlée, mais il a pataugé, il a pas bien pris le pédalo dans la gueule. Et pénalité pour le... Voilà qui est fait. On peut avoir une bébile là, les trous là. On va revoir cette faute française. Alors que Brigitte Bardot vient d'arriver là dans la cabine. Oh, Brigitte, attends là. Oh là là, oh. Tous ces hommes. Merci Brigitte. Jacques, rappelle-toi de l'âne. Alors que bébé en parle toujours pareil avec son doigt, il discute avec son majeur. C'est assez bizarre cet entraîneur qui parle seul quand même. Et tandis qu'on a vu l'inspecteur du rugby en Roumanie. Enfin bref, on ne rentre pas dans les détails, c'est de la politique rugbystique. Hello! Un des Blues Brothers qui va taper donc la pénalité. Il veut te voir après le match. Lui là? Ouais, il a deux mots à dire. Ouais, il y a deux bandeaux à faire. Là. Alors qu'on se tient la mâchoire, oui. À cet âge-là, ça tombe. Ouais, oui. On a vu que c'était Tony Curtis, là. Bel angle, Jean-Louis, bel angle. Allez, les Irlandais, pour qu'ils passent un tour de plus, il suffit qu'ils passent à chaque fois le petit coup de pied au but. Voilà qui est fait, mais ce sera... Voilà, mais c'est pas mal, ça. Ouais, ils ont la chance, pas mal. Harry Shantz. Oh, la sifflette est tranquille côté irlandais. Ouais, bah, allez, non, c'est le tempo qui nous endort là. On est à 36 chandelles, vous l'avez vu le score, Jean-Louis, merci. Le terrain n'a pas bougé, la ligne est là. Et les pubs également. Allez, l'Irlande, Yaman, renvoi français. Belle prise irlandaise. On arrive en retard du côté tricolore. Oui, avec Speedy qui essaye de contrôler la mêlée, mais il ne peut pas. Sorti, on va dégager du côté Irish. Il va falloir mettre cette pression, on attend surtout des essais. Non, sans déconner, vraiment des essais, s'il vous plaît, des essais. Là. Allez, monsieur. Oui, parce que nous sommes venus pour cela, nous. Hein. Hey. Alors qu'on est en train de me faire le cul. Oh, bah, c'est pas plus mal. Chacun a son ballon. Touche. Belle prise française, le ballon rebondit, on se couche dessus. Roland, tu n'aurais pas vu Garros? Ah, on nous appelle à Roland Garros, peut-être, Jackie. Ouais. Oh, belle sortie française avec Dylan. Non, Jackie, Roland Garros, on a dit. Oui, mais là, c'est le temps mort, vous savez, là, c'est quand ils vont se coucher, là. Ah bon? Enfin, non, quand ils s'assoient, tranquille. Il y a combien, alors? C'est Steph? 15-0. Ouais. Merci, Jackie. Tout à l'heure. Et qu'a dit l'arbitre pendant ce temps-là ici? Jacques, on peut pas tout faire. Hein. On peut pas être partout, on sait pas ce qu'il a dit. Mêlée pour les Français. Je sens l'essai. Je sens l'essai, Jacques, j'ai le truc qui s'affole. C'est bien. Oh là là, mes ententes entre eux, c'est Simon et Hubert. Oh là 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 là. Oui, mais on a pu donner à Benaki. Benaki qui s'enfonce et qui laisse sa balle par terre. Hubert, allez, sortez. Allez, sur l'aile gauche là, on peut cadrer. Qui est là? C'est Simon. Oh, mais Simon. C'est pas grave, on va quand même percuter d'abord et on va rouvrir sur l'aile droite. Oh là là, il y a du tamponnage. Il y avait du hors-jeu, oui. Il y avait du hors-jeu, il y avait de la défense virulente côté irlandais, mais les Français sont... Oh là, quel verdoiement. Hubert. Oh, Hubert. Et pénalité pour l'équipe de France. C'est normal, c'est mérité, mais somme toute quand même, amis français, amis irlandais, vous m'écoutez, faites du jeu, bordel. Malgré les merdoiements répétés d'Hubert, il y aura une pénalité à moins que le juge de ligne, un des adjoints de M. Maire, vienne lui signaler une malversation financière. Oh, c'est possible, voilà. Là, il est en train de lui montrer, effectivement, il y a eu un billet de 10 sacs qui est passé là. Ouais, ça, il ne faut pas le faire, jeune homme. Plus de pot de vin pendant les matchs, c'est fini. Non, s'il vous plaît, merci. Oui, Jack.
Jack qui est pénalisé. La possibilité pour l'équipe de France de revenir au score. Tudu! Sport, ouais. Ouais. Ça. Sport, Taz. Taz, ouais. Ouais. Sport Taz. Ils ont trouvé le système, c'est bien. Oui, ça va. Ils ont trouvé ce qui se passait, tandis que Javel, plus concentré que jamais, va tenter la prestation de service là pour l'équipe de France. Il se concentre sur la crêpe. Il regarde bien les poteaux, il regarde le ballon, il regarde les poteaux, il fait trois pas en arrière et là, waouh! Show! Égalisation française! Oh, Mister 100%, vraiment, c'est impressionnant! Impressionnant, Javel, c'est vrai, Jacques! Tu crois qu'il a grosse? Je ne sais pas, mais il peut toujours venir faire les chiottes à la maison. Envoie irlandais. Oh, nous sommes sales. Très sales, Jacques. Oh, nous sommes seuls aussi. Renvoi effectué intelligemment. Prise de balle irlandaise. On s'enfonce maintenant. On cherche les avant. Oh, c'est bien ça. Il avance, il avance, il avance. Il avance et il recule. Ah, les Irlandais. Nous rec... Qui ne sont pas ridicules. C'est vrai. Sortie du ballon côté irlandais avec une pénalité, une de plus. Oh là 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 là. Tandis que Bono est en train de se chauffer côté irlandais. On n'entend pas parce qu'il fait ça dans les toilettes justement, mais. Il veut te voir, lui, je te le rappelle, Jacques. Ouais, je sais. Oui, je sais qu'il veut me voir, je sais. Oui, Jackie. Oh là là. Hey, la petite... vitesse du match avec Chronospeed, on l'a pas fait encore. Ouais, Chronospeed de Super Speed, vitesse de ce match. Nous sommes assez lents finalement, 25 km/h. Ça vaut un service de, oh, un service de Jacques au tennis. Oh, quoi. Si on est assez lent, on peut être à Roland Garros. Ça vaut, Jackie. 15-0. Reprise. Oui, reprise la douche après, monsieur. Ah bon, dur banc. Ah oui, là on le voit, le banc qui a du mal, effectivement. Ils ont tous mis un dur banc sur la tête pour se tenir les cheveux. Et là, la pénalité est dangereuse, très dangereuse. Ah, Elwood. On va y jouer à RMC. Donc il est privatisé bientôt. Allez, il se concentre. Il va essayer de viser le centre du stade. Allez, 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 oh, oh. Wood, et c'est parti, c'est bien fait, ça va tout droit entre les poteaux. On nous indique E alors que c'était O. 9-6. Ah, les Irlandais, vraiment là, avec une marque sexuelle. Un score intéressant, vraiment. Oui, là, ils sont. Alors, qu'est-ce que c'est ça maintenant? Ah, bah là, on fait une dédicace et beaucoup de bises à Carros et à Cedex. Ah, alors là, Luis Fernandez qui tente le débordement. Jean-Louis, tu nous le dis quand t'envoies des messages aux copines. Hein. Ouh, quel bouffon. Quelle merde. Et ce sera quoi, que dit l'arbitre? Une mêlée pour les Irlandais. Merde, ça nous arrange pas, Jacques. Non, mais si, parce que pour l'instant, on joue depuis 21 jours et effectivement, quand même, les Français sont meilleurs en prolongation. C'est comme nous, ouais, d'ailleurs, parce que je te pourrais dire que quand même les prolongations, on connaît. On connaît, il pourrait y en avoir d'ailleurs au cours de ce match, attention. Oui, enfin, c'est quand même assez, assez étonnant qu'il y ait des prolongations quand même là. On vient faire boire bébé un peu qui se déshydrate. Goff, animal préhistorique. Appart en banlieue. Goff, animal préhistorique. Bonne Goff. On se désaltère côté français, on s'invective côté irlandais. On est déjà prêt. Allez, la mêlée. Oh là 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 là, on est prêt à y aller, on va se la donner, je pense. Oui. Gentiment. Vous voyez nos ondes là-bas, 94 mégahertz. On est prêt, on se plie, on n'a pas le droit de se rentrer dedans. Attention, monsieur l'arbitre. Un peu de pédagogique pour monsieur le maire. Ouf. C'est rentré. Et c'est quand même une mêlée intéressante. Mêlée intéressante, sortie, côté. Côté oui, la Fédération internationale nous indique qu'il n'y aura rien. Et oui. Mais la balle a changé de main.
Ah. Et oui, pourtant, Jacques. Pourtant, c'est aujourd'hui. Et oui, la balle a changé de main. Attention, mêlée pour les Français. Ah, on est à 32 mètres exactement. C'est fait, hop. C'est parti. Allez, dis-le, allez. Ah, 29 mètres maintenant. Combinaison. 28 mètres. Combinaison. Ah, oui. 27 mètres bientôt. Ah, on va récupérer. Oh, c'est bien fait, ça, Dil. Petit coup de pied de Dil, qui, vous le savez, joue au TFC quand le TFC va au plus mal. C'est vous dire si le TFC va mal, d'ailleurs. Et ce sera une touche pour les Français à quelques mètres seulement de l'embut irlandais. Une tentative grouvesque à la française avec ce jeu à la main tel que l'on l'aime. Tel que l'on l'aime. L'aime. Eh, il a eu de la chance quand même parce qu'avec un mauvais rebond, ça pouvait être dangereux. Merci Jean-Louis de cette confirmation visuelle. Ouais, touche. Speedy qui l'a fait. Ouh, elle est longue, elle est très longue, elle est hyper longue. Mmh, un joueur en 3. Super combinaison. Et on ouvre rapidement avec Hubert. Dil qui ne sait pas trop quoi faire avec. Oh, il le fait du gauche. Petit drop du gauche. Enfin, du gauche. Vu d'où il venait, tout de même, c'était un peu. Non, c'est un peu trop ça. Enfin, il faut bien qu'il se mette en jambe, on le rappelle. Il en a manqué un petit peu ces derniers temps. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai ça. Ouais. Et ce sera un renvoi au commissariat pour les Irlandais. On revoit quand même ce merdouillement généralisé. C'est bien loupé. Non, pas de photo, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Ou alors si, mais juste le bas. Nu. Oula. Il a chéri son ballon. Je crois qu'il était prêt à lui faire un petit. Voilà. Ce sera une touche. Voilà, pub pour Midi-Pyrénées là-bas. Middleton, ça se dit comme ça en Boers. Middleton pour dire Midi-Pyrénées. Ils sont pas idiots, hein, Midi-Pyrénées. Tu sais quand même, hein, Jacques. Oui. Oui, bah oui, je le savais. À vous, Toulouse. Sporters. Sporters. Ok, merci. Avec une action française qui était à la baisse. Ouais, Saint-Thury qui s'était infiltré. Ce sera une mêlée pour les Français une nouvelle fois. Là, dans les 22 mètres irlandais, nous n'avons jamais été aussi dangereux depuis le début de cette partie. Hop. Putain. Vas-y, chante, petite, chante. Chante, chante. On s'en fout de toute façon. Jaggy, Steffi Graf qui nous fait un petit live. Oui, Steffi Graf me fait un petit truc là, c'est sympathique. Très sympathique, mais le ballon, attention. Non, il trouve la touche, bien vu ça. Javel. Il faut y aller, les mecs. Alors, Jaggy, qu'est-ce qui se passe au niveau du terrain là? Eh bien, la balle, donc, c'est la ruée vers l'ocre, quoi, bien sûr, vous le savez, chaque année, c'est la ruée vers l'ocre avec les uns qui veulent la gagner, les autres qui ne veulent pas la perdre. Roland Garros, c'est à vous, Roland, à vous, Garros. Ça me rappelle Cendrillon. Jackie, le micro. Jackie, coupez-nous ça, là. Merde. Juste match, c'est chiant. On voit l'alignement irlandais. 30-40, Jackie, vous mentez quand vous dites 15-0. Maul irlandais, on va se dégager certainement. L'écrou le côté français, c'est interdit. Allez, allez, il faut. Oh, pénalité. Pourquoi, monsieur maire, enfin. Ah, monsieur maire, là, ce n'est pas cool. Encore une décision unilatérale. Mais ils sont virils, ces hommes. On ne pourrait pas les inviter à la maison un soir, Jacques. Ah, nous, on a essayé, mais ça n'a pas marché. Le mot l'a mal tourné. Allez, c'est Guinness, là, qui a bien dégagé. Et nous sommes mal. La France a peur. Oh, beaucoup moins tout de même que les matchs précédents. Parce qu'on est en quart de finale, et finalement, c'est pas mal. C'est le quart de finale. Jackie, vous avez quelque chose à rajouter peut-être? Oui, 15-0 ici donc entre Marie Graff et Josette Sanchez. Donc petit match organisé ici à ici les Moulineaux en parallèle du tournoi de Roland-Garros. Beaucoup de monde quand même. Oui, c'est vrai. Beaucoup de monde. Attention, il est pris. Oh, qu'il est pris le bourre de salopin. Ouais, toujours 9-6 pour l'Irlande. Pour Steffi Graf donc. Ah oui, aussi d'ailleurs, c'est vrai que c'est le même score, c'est bien, c'est intéressant ça de voir que les sports essayent d'avoir la même chose, c'est un petit peu l'ironie du sport. Vous voyez ce que je veux dire. 9-6, je viens de le dire Jean-Louis, c'est pas la peine de l'afficher, merde, le temps plutôt. Mais Jean-Louis ne nous écoute pas, il est sur France Info. Oui, c'est sûr, hein. Ou peut-être sur TF1. Pierre P.
plan du maquis, terrain, je pense, avec les avant. Bière, plan du maquis. Oui, les nazis sortent du ballon, s'en va. Et l'arbitre a sifflé. Touche pas. Ouais. Nous, on le savait, et c'est pour ça qu'on s'est pas emballé, nous. Mais pour ça, on savait qu'il allait siffler, l'arbitre. Ouais, on s'emballe pas d'ailleurs. Vous pouvez découper votre téléviseur, voyez, il y a les traces pour découper votre téléviseur. Selon les pointillés. Selon les pointillés. Mais les Irlandaises. Ah, le ballon est sorti rapidement, très rapidement. Et les Irlandais rejouent la combination. Ah, ils croient en Dieu. Combination terrible, récupération ballon par Santuri. Allez, Santuri, allez. Go, man. Go. Oh oui, Santuri qui passe. Mais attends là, c'est l'autoroute. Pourquoi n'a-t-il pas donné cette balle au joueur lancé? Il n'y avait personne qui y a cru, c'est vrai qu'il allait tellement vite, on a l'impression que l'image était arrêtée, sauf Centurie. Ah là 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 là. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, il y a quelqu'un. Ah, en tout cas, cette action nous a bien fait remonter le moral. Oui, en d'ailleurs, je vois que tu bandes. Bon, c'est pour toi, mon gars. Merci, à tout de suite, à vous, Toulouse. Oh. Hey. Ok, à ton antenne. Ouais, merci. C'est gentil de se renvoyer à l'antenne comme ça. Erreur pénalité, c'est un match de pénalité, Jacques. Oh, mais à ce niveau du jeu, on ne s'attend pas à un meilleur jeu de niveau. Oui, mais alors nous, allons-nous-en. Hein. Gagner donc une place pour Burning Spear. Mardi 13 juin au bikini. 61-21-64-05, tout de suite, une place pour Burning Spear au bikini. Mardi soir, tout de suite, merci. Au revoir. Allô, vous êtes en direct? Oui, oui, je téléphone pour la place au bikini. Quelle place? Pour Burning Spear. On a dit quelque chose, nous? Ah ouais, tu l'as dit il y a 2 minutes. Là. C'est vrai? Ouais, ouais. Merde. Ah non, moi j'ai pas entendu ça, moi. Hein. Ça m'a échappé. Bon, on prend, ton, on prend tes coordonnées. Okay, moi, ok, merci à toi. Et c'est Javel qui va nous la tenter cette pénalité alors que le président prendra les coordonnées. On rappelle que Power Magazine aussi, c'est pour... Bah, on va lui donner. Tiens, 3 mois d'abonnement. Allez, à Power Magazine à ce monsieur. Tu prends l'adresse de ce monsieur aussi parce que on va lui faire gagner. Ouais, c'est pas ouais, bon là. Allô, non, non, mais attendez, ne déconnez pas les mecs. Si ça a coupé, il rappelle. Oui, rappelle le petit jeu d'homme. Veuillez nous excuser, on paiera la communication. Javel va tenter cette pénalité. C'est parti et c'est bien fait. À 9, la France et l'Irlande étaient à égalité à 10 minutes de la mi-temps. Et ah, c'est alors c'est chaud, que... ouais. C'est alors que le groove rentra en jeu. Vas-y, mec, mets le groove. Oh, yeah, yeah. Mets le groove sur la pelouse. Tiga, tiga, bodé, bodé, yeah. Va-t'en marquer des essais. Ok, man, this is potent. Et transforme les pénalités. Non, c'est pour démonter les roues, c'est rien. Attention. Allez, Dil, allez, on ouvre la grande cavalcade. Oui, allez, et marqué de l'essai. Bon, d'accord, le coup de pied, oui, stratégique. Stratégique, qui est là? Qui est là pour défendre? Qui est là pour défendre à côté? Où l'a contré la balle? Il a contré le bougre de salopard. Touche pour les Irlandais. Allez. On a des sous? Non, non, le mec, il n'y avait pas de sous. Ah bon? T'es à poil. Ah là 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 là. Mais les Françaises, nous sommes à 22 mètres maintenant de l'ambute irlandais et nous bouillons. Oh, coup de poing, prune. Prune à l'adversaire. Ah bon? Ah, l'arbitre va faire refaire ce qui était fait. Est-ce qu'on peut nous refaire le commentaire? Et c'est Mason. Mason qui va le remplacer. D'accord. Lequel Mason avait joué 3/4 au cours du premier test match. Eh oui, ils ne sont pas en Afrique du Sud et ils tentent de commencer où ils peuvent. Attention, France 2 qui essaie de récupérer TF1, c'est affreux ce qui se passe en ce moment. Ouh, Chandiro. Chandiro. Mais là, qui va le prix? Oui, mais est-ce qu'il va libérer la balle? Ça y est.
C'est fait, c'est go. On ouvre. Non, ce sera très difficile. Les Irlandais sont bien placés là. Quelle belle défense irlandaise. Oh oui, c'est vrai. Et pénalité pour l'équipe de France. Ah, ça je l'ai pas vu, pourquoi ça? Mais il y en a marre des pénalités. Non, mais pourquoi une pénalité à ce moment-là de la partie? C'est pas prévu ça, on nous l'a dit que c'était pas. Mais non, enfin, on avait dit un essai là. Un essai, il devait y avoir, c'est vrai, c'est vrai. Et ben voilà, ils vont la tenter. Ils vont tenter la pénalité. Tandis que Dorothée est en train de se faire sodomiser par Albert Ferras. Non, c'est vrai, c'est une information qui vient de me tomber. Vous êtes complètement allumé, mon pauvre Mélisandre. Hey, on me donne l'info, moi je la donne. Oh, quelle honte, hein, quelle honte. Là, moi, j'ai là, pas là, vérifié, mais y a pas besoin pour ces trucs. Oh, Jacques, quand même. Oh, je fais comme tout le monde, moi. Toi aussi. Eh, hey, c'est Javel qui va la tenter celle-là, elle est difficile, plus dure que les autres. Jacques, à combien de pourcents ouais, plus dur? Ben là, 75% plus dur, mais Javel a rajouté un peu de piment et ah, un ouais, petit peu de. Un petit peu de Jackie. Chronospin, c'est super speed, eh bien le match est monté un petit peu. Ce soir, je te rentre en mêlée. D'accord, eh bien moi aussi, tout le monde rentre en mêlée. Ginette ce soir, il le fait l'Indien. Ouais. Ouais, ouais, Jackie. C'est... Tiens, c'est peut-être la première là, qu'il a raté depuis décembre 94, FM. Mega Earth. Et renvoie au commissariat pour les Irlandais. Jackie, il se passe des choses sur le central de Golan Raoros. Oui, et eh bien Roland est en train de poursuivre Garros maintenant parce qu'il semblerait qu'il lui ait volé ou c'est une histoire de raquette. Enfin, j'en sais rien du tout. En tous les cas, je vous rends l'antenne. 9-9. C'est ça, hein? Ouais, là, c'est le 9e jeu du 9e set. Madame, hein, vous voulez pas faire une petite partie de pénis avec moi? Jackie, merci. Molle français, on pousse, on progresse, des mains, des hommes se touchent, des hommes liés ensemble, c'est Manpower qui joue. Tu vois, Diabrasque qui prend la balle dans les camps français, nous sommes plutôt rassurés pour cette Cup de France, première ligne, qui passe à deuxième ligne, qui passe le même à troisième ligne. On s'isole côté français, Benaki qui va lâcher la balle, c'est bien, oui, et allez. Mais on l'ouvre à grand côté. NTM, ouais. Incaro, c'était lui. Bien ça, c'était bien NTM qui a fait un petit côté intérieur centré. C'est bien ça, c'est bien. Emploi stable, allocation. Voilà. Oui. Remboursement ouais, sécu, emploi stable, allocation. Ils vont le descendre. Et ce sera une mêlée pour l'équipe de France, à quoi 15 mètres en face des poteaux irlandais, ça sent le drop. Hein, voilà. Lily. Oui, les supporters de Satiricon, vous savez, le journal local à Toulouse qui vient de faire grand bruit avec un journal bizarre, mais enfin, qui était là à présent, mais ils ont pris quand même 50 000 francs contre Bodis au premier tour. Alors soutenez. Mais ils sont en cours d'appel alors. À le deuxième tour. Attention avec le batteur qui rentre là. Sortie française avec Hubert. Oui. Hubert qui bonne l'île, bonne l'île qui va contrer. C'était ouais, puis bon le contre, le machin, le truc. C'était juste, c'était très juste. Si nous font ça à Patrice le contre, là je suis pas d'accord. Non, c'est Henri le contre. Ah bon? Non, Jackie, j'ai pas parlé de Roland Garros. Et beau petit coup de pied de Lille là-bas, mais récupération Londonderry qui va pouvoir dégager. En touche sûrement. Belle fast. Hein. Oh oui. Très belle fast. Ah oui, c'est le grand fast côté français. On y croit. Century. On y croit tellement qu'on n'a que ça à faire. Il remonte au ralenti. Ouais, merci Jean-Louis de nous montrer. Il nous fait chier. Qu'est-ce qu'il fait là lui? Il se fait chier. Et pourquoi Alain Jobert enfin? Oula. Et Kloskinski aussi qui était derrière, on l'avait pas vu, mais il était juste derrière les lunettes. Touche sur les pointillés. The. Il faudrait pas qu'elle se découpe. Matt Johnson et The là en direct avec vous. Prise de merde. Jackie, le score a évolué, paraît-il, à Roland Garros. Non mais vous allez me filer un torticolis avec vos conneries. Laissez-moi suivre le rugby au moins 5 minutes, sinon je ne vais plus savoir en chute mais de la balle. Pas bon. Arrêtez enfin. Alors ici bien sûr à Roland Garros, c'est ici à la porte d'Otaï. Mino. Oui Mino, viens voir papa. Merci Jackie. Il joue votre show, en fait. Oui, il joue même très bien au tennis. Et c'est une pénalité pour les Irlandais à 40 mètres sur la gauche des poteaux français en les regardant. Ils sont pas très beaux. Oui, on aperçoit Mister Wifonk là qui est en train de faire la barre fixe sur le côté embu français. Vous ne le voyez pas, Jean-Louis? Est-ce qu'on peut avoir l'embu français là en gros plan? Jean-Louis.
Jean-Louis. On va pas crier, Jean-Louis. Jean-Louis, on va pas dire à ta femme que... La voilà, on lui dira pas, mais remets-nous autre chose. On dira pas que c'est elle. C'est Jane Fonda, là, qui propose des stages de bodybuilding à tous les rugbyman. Oui, Jane Fonda enchaînée, comme on dit. C'est joli, l'architecture, là, Jacques, tu trouves, cette grosse ouais, vista haute, hein? Ouais. Oh, dis donc, on dirait Elwood qui va tenter la pénalité, hein. Je pense que c'est ça, effectivement. Aïe, 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 aïe. Et lui, pourtant, aïe. Il nous fait du 100%. Du 100% today, alors que RMC 95, ce n'est pas ça du tout. Ce n'est non, pas parce qu'ils 95. Font du 60%, ce qui est quand même suffisant pour un réseau tel que RMC. Attention, attention, les Irlandais pourraient reprendre l'avantage. Allez. Et c'est bien fait, c'est parti, oh, et ça oui, part. Oui, c'est étonnant à côté, non? C'est entre les poteaux. Mais non, c'est pas mal, ça. Go! Et 12 à 9 maintenant pour les Irlandais à quelques minutes de la mi-temps. À vous, Clues! Voilà ce que ça donne. Radio Campus. Radio Campus. Radio Campus. 94 MHz. Il peut parler tout seul, mais ouais. Il n'aide pas ses joueurs pour le ouais, moment. Enfin, il n'était pas seul, il y avait Eichmann avec lui. J'ai bien l'impression que Sigogne pourrait rentrer à la mi-temps. Oh, ce serait intéressant parce qu'il est fort en mental. C'est le... Vous allez vous dégueuler dessus, mon petit père. C'est le gruyère, putain. Oh là 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 là. C'est le sandwich. Oh, dites donc, non, on a failli, on non, a failli avoir un renvoi en direct. Au 22, ouais. Belle prise de balle, la touche rapidement jouée par les Français. Il est con ce Jacky. Oh, mésentente, mais c'est merde qui va seul. Ah, mais allez, il faut marquer maintenant. Allez, maintenant, un essai juste avant l'armi-temps. L'armi-temps. À défaut de l'armistice. Ouais, oh, Deal qui loupe à 2 mètres, mais c'est non, pas vrai. Non, Deal, faut arrêter. Mais il y aura une pénalité pour hors-jeu irlandais. Oui, mais enfin, faut savoir avec qui il joue, lui. Il déconne, Deal. Bah, disons qu'il ne croit pas trop au niveau collectif. Apparemment, il y a quand même une déficience de ce point de vue-là. Ah, alors que je voulais lui dire qu'on était là, Jacques. Ouais, nous sommes là, enfin, ouais. Oh, Christophe. Enfin. Boudu, c'est que vous êtes con tous dans cette tribune. Pénalité facile, facile. Ah oui. Allez, 12-12 à la mi-temps, on va pouvoir aller boire un verre, Jacques. Oui. Alors ? Oui, Jacky. Je vous prends un sandwich à Roland-Garros ou quoi ? Bah, ça dépend, s'il est bon. Ah, ils sont meilleurs que là-bas. Hein. Ah bon ? Et voilà qui est fait par l'équipe de France. 12 partout ici, nous avons 15-0 donc toujours. Sûr, Jacky, le oui, score, oui, je suis absolument sûr du score. Ne commencez pas à mettre en doute mes capacités morales et surtout mentales à suivre un match de tennis. 12-12, à vous, Toulouse. Oui. Vous êtes là, du commentaire sportif moyen. De ce truc qui ne provoque chez vous que de l'urticaire. Sportaz. C'est bon pour vos oreilles et pour ce qu'il y a derrière. Sortie française avec Deal qui va dégager du gauche. Voilà qui est fait. Ouais, mais elle est directe cette touche. Ah, les coups de pied imprécis de Deal vont peut-être peser sur le match. Ensuite, absolument. Celui de Javel aussi, parce que finalement, il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup pour l'équipe de France dans les trois premiers matchs. Mais là, il est un peu moins là. Il y en a un qui n'y est pas du tout, c'est Deal. Dis donc. Enfin, on s'en fout, on verra bien ça. Oui, par contre, TTM, on sait qu'il va marquer. 62% pour Dominique Baudis, donc, pour le moment, mais ça pourrait baisser. Ça pourrait baisser contre le Vaille, vous savez, le goût. Avocat de profession. Eh bien, oh, mais arrêtez, vous deux. Ta gueule, putain, tout le monde va nous entendre, tu fais chier. Et fais la tournée. Et téléphonez avec cette carte, si vous le pouvez. Mi-temps ici donc, où l'équipe de France et l'équipe d'Irlande sont à égalité 12 à 12. On se retrouve dans quelques instants, vous Toulouse. On a un appel de notre ami entraîneur. Allô, vous êtes en direct. Allô. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est passé pendant ce temps-là à Paris, à Noisy-le-Sec?
Eh bien écoutez, ici il ne fait pas très beau, alors les gens sont rassemblés dans un petit bar là, tous les habitants qui sont passionnés de rugby pour regarder le match. Bon, ouais. On a été un petit peu déçus quand même parce qu'il y a eu beaucoup de jeux, c'est sûr, mais en fait pas d'essais quoi, et c'est quand même ce qui nous intéressait le plus. C'est vrai. On aurait voulu voir. Bon, et sur Radio Campus, la diffusion était bonne là sur Paris? Alors écoutez, oui, on a eu des petits problèmes au début parce que le satellite n'était pas encore au-dessus de nous. Et puis, à bout de 10 minutes, un quart d'heure, on a reçu correctement ce que vous faisiez. C'était assez amusant. On avait mis en fait le son de campus et on avait pris l'image de la télé, la une. Merci, on vous retrouve peut-être en fin de partie. À vous, Toulouse. Alors, tu me débranches le merdier là, oui ou quoi? Petite pute! Ah! Non, non, on garde l'antenne pendant la mi-temps, les gars! Non, vous faites ce que vous voulez à Toulouse, mais nous on garde l'antenne! Non, non, la dernière fois où vous affilez l'antenne, vous allez la prendre 15 jours après, hein! C'est comme les scellés de la radio, ça!